suis heureuse de recevoir ce soir donc Arlette Pellé pour son ouvrage « Le cerveau et l'inconscient ». Je fais mon Bernard Pivot ponctuellement. Voilà. C'est un ouvrage qu'Arlette a écrit, je dirais, dans la foulée d'un ouvrage que j'ai trouvé passionnant, que je vous recommande, et dont je fais un peu de publicité au hasard, « Ce que nous enseignent les ruptures majeures ». C'est dire que Arlette Pellé travaille une question, et quand elle la travaille, elle la tient, et elle tient un fil qu'elle développe, donc qu'elle avait inauguré dans « Ce que nous enseignent les ruptures majeures », et qu'elle développe vraiment de manière tout à fait passionnante dans « Le cerveau et l'inconscient », donc son deuxième ouvrage. Ce qui, personnellement, m'a beaucoup intéressée, puis après, bon, peut-être qu'on va passer à des questions, et peut-être, Arlette, tu vas en dire quelque chose hein, de ce travail. Ce qui, pour moi, représente quelque chose de tout à fait important dans ce travail et dans cette publication, dans cette exploration extrêmement exigeante que fait Arlette, c'est qu'elle fait une sorte de mise au point précieuse pour tous ceux qui s'interrogent sur ce qu'entretiennent entre eux, le cerveau, l'inconscient, le biologique, etc. Pourquoi c'est précieux? Parce qu'on est conscient, je pense, que ce profil, on est plongé dans une crise de la subjectivité, une crise du sens, j'ai envie de dire, qui se fait ressentir un peu partout. Bon, on peut pas m'étaler là-dessus, hein. C'est sensible, et on pourrait estimer qu'on se trouve dans un moment de rupture, justement. C'est pour ça que le livre d'Arlette vient à point aussi pour en dire quelque chose et tenter finalement d'articuler ce que les hommes entretiennent avec leur mythe, leurs croyances, leurs fictions et leur inconscient bien sûr, en regard du monde auquel ils ont affaire. Le travail d'Arlette, et c'est ça qui est tout à fait passionnant, mais sans cesse en perspective, je dirais l'aptitude à fictionner des sujets humains en rapport avec le monde, hein, et le monde tel qu'il se présente à leurs yeux. Voilà, hein. Donc, en effet, c'est tout un parcours, parce que dans ce livre, dans le précédent ouvrage, on a tout un parcours historique absolument passionnant qui retrace, en quelque sorte, les ruptures, hein, les ruptures majeures, et les changements subjectifs afférents, c'est-à-dire qui en découlent. Voilà. Dans ce livre-là, qui, de mon point de vue, comment dire, est tout à fait actuel, crucial, et qu'il faut lire vraiment, et qu'on lit d'ailleurs tout à fait facilement, agréablement, et qui n'arrête pas de plonger et d'interroger, et d'éclairer en même temps, hein, Arlette, donc Pellé, fait une sorte de mise au point en partant de la position freudienne, des travaux de Freud. Freud, en son temps, dans ses travaux avec la neurobiologie, puis elle continue donc avec la cybernétique, c'est-à-dire tout ce qui s'est inventé après la guerre, les traumatismes, la Shoah, c'est-à-dire tout un essor de pensée avec des scientifiques qui nous ont amené la cybernétique en rapport, dit-elle, avec évidemment le souci d'expurger un idéal, d'expurger le monde de la barbarie, hein. C'est-à-dire en quelque sorte de mettre les hommes face à un pouvoir et à des concepts qui les déchargeraient en quelque sorte du réel pulsionnel qui les habite et qui conduit au malaise dans la civilisation, le malaise dans la civilisation freudienne, exploré par Freud et dit par Freud. Voilà. Ce que la psychanalyse, alors évidemment, à l'issue de la lecture de l'ouvrage, on a quand même une idée assez précise et affirmée, puisque Arlette Pellé prend parti, c'est vraiment tout à fait clair, en disant que la psychanalyse, en quelque sorte, fait résistance absolument aux neurosciences, enfin, pas aux neuroscientifiques, hein, mais aux discours neuroscientifiques
qui traverse le champ social et qui s'installe, hein, je dirais, à l'aise dans notre contemporanéité. Hein, voilà, et qui a de beaux jours devant lui, ce discours, en tout cas. Donc elle fait bien la différence entre, évidemment, les nouveaux biologistes eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui, les chercheurs, et ce qu'on en fait au niveau du discours. Enfin, souvent, c'est confondu, en quelque sorte. Et elle affirme, c'est vraiment très clair, que la psychanalyse fait résistance, hein, et que le sujet humain ne se laisse pas réduire au déterminisme auquel voudrait le réduire, justement, hein, la pensée scientifique, le discours des neurosciences, en quelque sorte. Et elle va plus loin pour dire qu'au contraire, hein, les déterminismes qui nous font sont faits justement, enfin, le sujet lutte contre ses propres déterminismes. C'est le point de résistance justement à l'autre, hein, et elle montre aussi, dans la question du rapport à cet autre, justement, que l'autre, on ne s'en passe pas. Hein, que si, comment dire, les neurosciences prétendent établir un concept et des descriptions sur le fonctionnement de la subjectivité, ils le font, en quelque sorte, toujours, en méconnaissant plus ou moins leur démarche, mais ils le font toujours, comme si le sujet, en quelque sorte, fonctionnait en circuit fermé. C'est-à-dire, comme si on avait affaire à une boîte coupée, hein, coupée de l'extérieur, qui l'a pourtant, et ça c'est très clair dans le développement que fait Arlette Pellet, extérieur qu'il a pourtant, dès les premiers temps, intériorisé, hein, pour en faire son plus intime. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on a là à faire, évidemment, tout l'appareillage, comment dirais-je, topologique lacanien est en arrière-plan, évidemment, hein, avec l'intérieur et l'extérieur, hein, comment dire, qui sont meubiennement, qui tiennent de façon meubienne pour un sujet humain. Donc, il n'est pas question de couper le sujet humain de ce qui le détermine d'abord, hein, de l'extérieur, et de dire qu'il en fait évidemment quelque chose. Voilà. Donc c'est tout à fait passionnant. Alors, je vais laisser la parole peut-être à Arlette. Donc, en écrivant ce livre, j'ai bien sûr lu beaucoup de livres, d'articles sur les neurosciences cognitives, et regardé beaucoup d'images de YouTube sur le fonctionnement cérébral. Et j'ai trouvé ça, en couleur d'ailleurs, souvent, j'ai trouvé ça merveilleux, comme une énigme, comme une question de l'origine qui était posée, comme lorsqu'on regarde, si ça vous arrive, l'univers, les galaxies, les étoiles s'éloigner, se rapprocher, pourquoi pas se parler, communiquer, échanger. C'est-à-dire qu'il y a un rapport qui m'a paru, pour ma part, assez évident entre la mobilité, la plasticité, on aime beaucoup ce mot-là en ce moment, vous savez, il y a des mots comme ça, des signifiants qui circulent, plasticité cérébrale, on adore ça, neurone miroir aussi. Cette plasticité, c'est-à-dire ces mouvements des cellules, des neurones, qui se déplace. Evelyne, j'avais regardé avec chez Clara d'ailleurs, je crois, des images en mouvement de ces neurones qui se déplacent, qui se répulsent, qui s'attractivent, enfin, etc. C'est vraiment d'une beauté remarquable, et savoir que on est composé avec cette matière vivante et constamment vivante, c'est vraiment une merveille de la nature. Mais nous sommes cette matière vivante, mais aussi des êtres parlants. Ce qui complique un peu les choses par rapport au développement des neurosciences. Alors, pourquoi qu'est-ce qui m'a pu me pousser à tenter d'écrire un livre sur les neurosciences et la psychanalyse. Alors d'abord, en effet, parce que j'avais écrit ce livre sur les ruptures majeures qui montre comment dans chaque grande rupture, si on peut dire, que sont le logos grec, vous voyez, l'arrivée
du logos, du monothéisme et de la science classique, à chaque fois, on repère que le nouage univers, société, sujet, ce nouage-là se fait par un seul signifiant. Par exemple, je ne vais pas refaire tout ça, je vais juste prendre la période qui nous intéresse pour passer du côté des neurosciences. Au moment de la naissance du monothéisme jusqu'à la naissance de la science classique, c'est-à-dire au XVIIe siècle avec Galilée, l'univers et la société et le sujet sont essentiellement rivés, c'est-à-dire noués au signifiant père. Père, Dieu, père, etc. Ça dure un moment d'ailleurs après le XVIIe, hein, ça dure quand même. Et là, actuellement, à partir, c'est l'origine, enfin je pense que le point de départ, c'est la naissance de la science classique, lorsque Galilée, Kepler, Bruno, Giordano Bruno, etc., tous les grands scientifiques de cette époque, et Galilée en particulier, dit « l'univers est déchiffrable avec les lois mathématiques. L'univers est déchiffrable par les lois mathématiques. » À ce moment-là, bien sûr, Dieu en prend un coup déjà là, hein, sauf à le mettre à l'origine, en tant que cause, hein, de ces lois. Et donc, on remarque qu'à un moment, c'est-à-dire dans les tournants après la Seconde Guerre mondiale, qui a été un moment de trauma historique qui concerne la barbarie humaine, ça veut dire ce de quoi est capable l'humain, à partir de ce moment-là, bien qu'il y ait eu des prémices avant, le nouage va changer. C'est-à-dire que ce qui va nouer univers, société, humain, va être la rationalité scientifique, le quantifiable. Ça, c'est le plus important de repérer ça. Et on arrive aujourd'hui, absolument dans tous les domaines, hein, qu'on parle bien sûr des pathologies, qu'on parle de médecine, qu'on parle d'économie, hein, neuroéconomie, qu'on parle du fonctionnement du cerveau, neurotransmetteurs, etc., etc. Dans toute neuropolitique, enfin, si vous regardez n'importe quel journal quotidien, vous avez partout neuro, là. On a aussi la neurofascination. Alors, avec le numérique, etc., ce qui engendre, voilà, un certain nombre de questions. Donc, je considère que nous sommes aujourd'hui dans ce nouage univers tout déchiffrable par les lois mathématiques, société toute avancée de bonheur par les lois économiques, l'humain toute avancée du bonheur de l'être humain par les lois neurocognitivistes, c'est-à-dire par les logiques formelles, si vous voulez, autrement dit, pour aller vite. Alors voilà, ça fait un peu de défaut de transcendance, si vous voulez. Hein, ça fait un peu de défaut de transcendance. C'est-à-dire que dans ce moment-là, hein, c'est vraiment là actuellement, à mon avis, hein, c'est le moment de cette mutation, on entend beaucoup parler de mutation, où la fragilité symbolique, comme on dit, se fait entendre, se fait sentir. Hein, c'est-à-dire qu'on ne sait plus à quel axe se raccrocher. Parce que la rationalité scientifique concerne pour nous seulement un versant du langage. Le langage, la logique syntaxique, par exemple, un versant du langage. Et tout l'autre versant, c'est-à-dire celui qui a rapport à l'autre, à ce que les psychanalystes appellent le grand autre, est barré, c'est-à-dire n'existe plus. Alors, pourquoi ? Si l'invariant devient le quantifiable et la rationalité scientifique, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va essayer de trouver des lois qui gouvernent le cerveau, le fonctionnement des neuronales,
hormonales, biologiques, physiologiques, chimiques, etc., des lois qui gouvernent le cerveau dans ce fonctionnement un peu... parfois, je dirais parfois quand même, parce que parfois un peu fermé. Et ça veut dire que les neuroscientifiques sont des gens très bien et très intelligents, et ils ne sont pas fermés pour être fermés. Hein, ça veut dire que comme Freud a pris position à un moment de dire « je ne m'occupe pas de tout ce qui concerne le fonctionnement cérébral, hein, parce que j'en sais pas assez, etc., on n'en sait pas assez, etc., je laisse tomber cet aspect-là pour m'occuper du fonctionnement psychique. » Eh bien, maintenant, les neuroscientifiques renversent la vapeur et disent « on s'occupe pas du fonctionnement psychique pour en savoir plus sur le fonctionnement du cerveau. » Voilà, c'est une prise de position avec laquelle parfois je ne suis pas d'accord, mais encore faut-il le démontrer, avoir des arguments très solides pour faire face à ce que chacun, dans chaque domaine, c'est-à-dire neurosciences et psychanalyse, peuvent apporter et peuvent discuter et peuvent échanger. Si les neurosciences allaient jusqu'au bout des logiques formelles pour expliquer comment fonctionne le cerveau, comment fonctionnent les symptômes, comment fonctionnent les pathologies, alors on irait vers ce qui est pour le moment encore une fiction, mais qui se concrétise dans certains laboratoires, ce qui s'appelle le post-humain ou le transhumanisme, c'est-à-dire c'est le meurtre de la condition humaine telle qu'on la connaît. Là, ça n'existe plus. Sapiens, sapiens, terminé. Alors on ne sait pas ce que ça donne, on ne peut pas aller plus loin, mais il y a des recherches à la fois aux États-Unis qui sont extrêmement bien subventionnées et en France, à Grenoble en particulier, qui sont aussi extrêmement bien subventionnées pour suivre tous ces travaux-là. Et quelqu'un comme Stanislas Dehaene, par exemple, qui écrit, je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire ça, « Le code de la conscience », eh bien, avec sa passion, hein, parce qu'il y a de la passion quand on découvre des choses, bien sûr, hein, avec sa passion, il ne démord pas de l'idée de construire un ordinateur avec une conscience, non pas l'intelligence artificielle, mais une conscience artificielle. C'est quand même, voilà où on va, voilà les grandes lignes, si vous voulez, qui sont tracées dans ce livre, avec comme soubassement majeur ce que l'homme, l'être humain, a toujours voulu, ça s'est construit toujours comme ça, avec cet invariant du nouage univers-société-humain. Alors, quand même, pour dire ma position, c'est pas critique. Quand Freud, neurologue, s'est intéressé aux neurosciences de son temps, il a même été très habité par l'inconscient cérébral de son temps, hein, de Jackson, etc. Lacan s'est intéressé à la cybernétique. Il n'a pas dit, il est comme pour le béhavorisme, ce n'est pas l'égo-psychologie, la cybernétique. Voilà, et je crois que chacun qui s'intéresse au psychisme humain a à s'intéresser aux sciences de son temps. Et les neurosciences, c'est les sciences de notre temps. Et c'est les sciences de notre temps, inévitablement, parce qu'on est dans un autre nouage. Alors ça prend, c'est une flambée. Et pour le moment, comme disait Isabelle, ce que j'essaye de dire, c'est que la limite, s'il y a une limite théorique fondée, c'est-à-dire qui peut être très argumentée, pour le moment, c'est encore la psychanalyse, c'est-à-dire cette science du sujet, qui peut la mettre, qui peut la donner aux neurosciences, qui ne s'empêche pas d'ailleurs de faire un très grand hommage à Freud dans leur ensemble, mais qui ont toujours dans l'idée de neurobiologiser la psychanalyse pour la rendre scientifique, vous voyez, c'est-à-dire pour qu'elle rentre dans la rationalité scientifique. La question est là, hein, c'est pour ça que dans l'ensemble, soit les psychanalystes rejettent sans même lire ou savoir de quoi il s'agit les neurosciences, soit ils les critiquent vivement. Or, ma position, c'est en tant que psychanalyste, je m'intéresse au champ de savoir qui s'ouvre dans mon temps.
parce que je pense que ça a des effets sur le discours et que le discours a des effets sur le conscient et peut-être l'inconscient, bien que les fantasmes fondamentaux, comme on dit, sont à mon avis invariables. Aspasie, tu veux peut-être intervenir au fur et à mesure. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le texte d'Arlette Pellet, qui vraiment fait le point sur l'actualité de ces questions, c'est quand même le remaniement qu'il y a eu après la guerre, c'est-à-dire comment nous défaire de la monstruosité, de la barbarie. Et ce qui me semble intéressant, si tu peux nous préciser, c'est le remaniement de l'imaginaire et du symbolique. Hein. C'est-à-dire que, au nom de se défaire de la barbarie, c'est comme si, si j'ai bien compris ce que tu disais, il fallait se détacher de tout ce qui est imaginaire. Hein. C'est comme si, pour les scientifiques, l'imaginaire, c'est ce qui conduit dans la pulsion de mort. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a comme ça une tentative pour éradiquer l'imaginaire une fois pour toutes et avoir un abord proprement symbolique de ces questions. Et je voudrais bien que tu nous expliques aussi, parce qu'il me semble que le symbolique est tout à fait différent vu par les scientifiques et vu par les psychanalystes. C'est-à-dire qu'il me semble que vu par les scientifiques, il y aurait complétude du symbolique, c'est-à-dire le symbolique pourrait recouvrir tout le réel, à l'opposé de la théorie psychanalytique. Est-ce que tu pourrais reprendre cette question qui me semble tout à fait fondamentale? Alors, je vais commencer par la complétude. Ce qu'on appelle la complétude du côté du savoir scientifique, vous me dites si je me trompe, du côté du savoir scientifique, c'est l'universel, l'universalisation, si vous voulez. Le savoir scientifique a pour... tenant et aboutissant que ça puisse s'universaliser, c'est-à-dire tout homme, etc. C'est le tout, c'est l'universel. Donc, quand on est du côté du tout, on est du côté d'une certaine complétude. Malgré les théories de Hilbert et Gödel, qui parlent de l'incomplétude dans la logique rationnelle. C'est-à-dire que un objet à l'extérieur fait trou dans le tout, en gros. Je vais assez vite. La définition de la science, bien sûr qu'elle rejette l'imaginaire, bien que qu'elle rejette dans une équation, on ne voit pas l'imaginaire, c'est des lettres réelles symboliques. Il n'y a pas d'imaginaire là-dedans. Sauf que, comme nous avait expliqué Étienne Klein, par exemple, puis bon, on peut le savoir, que pour faire toutes les hypothèses, pour construire un projet scientifique, bien sûr que ça demande de la fiction, de l'imaginaire, enfin, l'intuition. De l'intuition, enfin, tout cet espace-là. Mais les formules mathématiques, en effet, qu'elles soient des lettres ou des figures géométriques, n'ont pas, sont évidées, vidées d'imaginaire et de fiction. Alors, mais la démarche du scientifique, je trouve qu'il y a une petite confusion. Alors après, c'est mon avis de scientifique, il y en a d'autres dans la salle. C'est ce côté de vouloir en finir et aboutir à quelque chose de fini, justement. Alors que c'est, je crois, absolument pas la démarche d'un scientifique qui part pour une carrière de chercheur. C'est pas ça. On sait que chaque étape, on va être remis en cause. Nous-mêmes, on se remet nous-mêmes en cause. Donc, c'est pas ce côté figé. Je crois que c'est pas le but du scientifique. Après, il y a la société qui utilise les données produites. Et je crois que vous en avez parlé toutes les deux. Où on présente au grand public des données finies parce que les gens sont très rassurés par des données établies, dures, mais c'est absolument pas la démarche scientifique. Donc ça me gêne un peu d'entendre cette, pour moi, une vision plus caricaturale du scientifique qui est totalement contraire à notre démarche d'hypothèse. Effectivement, on va essayer de démontrer une première hypothèse, mais on sait qu'un mois après, un an après, 10 ans après, elle est remise en cause. Avant, on disait que le cerveau était une glande. Maintenant, après, au moment de Freud, il y a eu Carrel qui a montré l'unité neuronale. Après, il y a les neurotransmetteurs, la pharmaco. Enfin, on est friand d'avancer, donc je trouve ça un peu... Après, il y a le but qui peut être utilisé ou
Puis, parce que Eline, c'est dans l'ouvert, en fait, ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est toujours ouvert, c'est pas fermé. Oui, par définition, ouais. C'est et ouvert. Et ce que tu rappelles dans le livre, Arlette, ça m'a beaucoup intéressée, parce que c'est un... ça montre, ce que vous reprenez, Eline, que c'est à un moment T, quelque chose va se publier. Je crois que tu dis publier ou périr. Ah oui, c'est hein, ça. Pour la science. Oui. Ce fameux publier ou périr, oui. Où finalement, on donne... Enfin, on livre on un texte à voir quelque chose à, là, on qui, donne à qui est obsolète. Et pourquoi pas pour le scientifique un mois, six mois après en fait, mais qui est passé dans le public du coup. Hein. Donc c'est, je crois que c'est parce que c'est le fonctionnement de notre partage du savoir dans une compétition, mais dans un savoir. Et juste un point après, Arlette, j'arrête. Aussi. Oui, non, très bien. En fait, de plus en plus en biologie, on s'aperçoit qu'il y a une que chaque individu ne peut pas être classifié. C'est pas parce qu'on a une mutation sur un gène qu'on va développer une pathologie. C'est pas, il y a le tout génétique, il y a le tout imagerie. Plus on fait de la recherche, plus on s'aperçoit que c'est fin, qu'il y a l'environnement qui va être important, qui va. Donc on a des données un peu figées sur le gène. Alors ça, c'est happé par la société en plus parce que il y a une demande de diagnostic, il y a une utilisation sociétale, il y a des coûts de la pathologie, il y a des espoirs des patients. Mais on se rend compte quand on est au cœur de la recherche que chaque fois, c'est des détails en plus ou des avancées en plus qui vont nous montrer que chaque individu a une subtilité, que son corps et son psychisme vont dialoguer d'une manière différente. Ça va modifier l'expression peut-être de gènes, en tout cas de neurotransmetteurs, à un état de bien-être ou de mal-être. Donc, enfin, chaque individu est différent, même avec des gènes communs au départ. Même, voilà. Donc on n'est pas du tout dans la logique plus ça va, plus les recherches vont vers une finesse individuelle, et pas dans ce côté donc, caricatural. Oui, vous avez l'air de considérer que la science gêne les avancées de la psychanalyse, alors que pas du tout, ce sont deux façons différentes de voir les choses. Oui, mais certainement, mais deux façons différentes, parce que les neurosciences cognitives, tu vois, elles parlent plus de psychisme. Ça n'existe plus. C'est-à-dire que pour la psychanalyse, tu vois, c'est parce que c'est un éclairage différent. Ah oui, mais un éclairage qui... Quand tu regardes un objet, tu ne peux pas le regarder de tous les endroits en même temps. Oui. Tu prends un éclairage et tu analyses cet objet. D'accord. Eh bien, donc, voilà, il y a la logique rationnelle d'un côté et de l'autre... le versant de la rationalité, oui, de la rationalité scientifique, le versant du langage, parce que c'est le langage qui produit les énoncés, que ce soit des énoncés formels ou des énoncés de parole. Il y a le versant de l'autre esquissé dans les neurosciences cognitives. Ça, c'est sûr, ça n'existe pas. C'est-à-dire, par exemple, la question de comment les réseaux neuronaux sont activés, par quel autre, par quel autre extérieur, même s'il parle d'épigénèse, je peux y revenir, n'existe pas, cette question n'existe pas. Je suis très favorable à une ouverture et un dialogue par rapport à toutes ces questions. Et en effet, quand j'ai lu là, le dernier livre de Stanislas Dehaene sur le code de la conscience, j'entends des ouvertures l'humain en particulier ne fonctionne plus comme un animal, le cerveau humain ne fonctionne plus comme celui d'un animal, c'est-à-dire on voit un essai d'introduire quelque chose d'une spécificité humaine qui dans tout ce que dans beaucoup quand même, la spécificité humaine n'existe plus, on peut dire, si on enlève le versant du langage. Mais je pense que ce sont des questions ouvertes et avec lesquelles ce n'est pas une critique. C'est-à-dire, c'est un constat avec lesquels il est nécessaire d'avancer. Parce qu'on ne peut pas, je crois que les neuroscientifiques se rendent compte qu'on ne peut pas rester uniquement sur le versant rationnel, de la rationalité scientifique, et que les psychanalystes, enfin ceux qui veulent bien s'y aventurer, se rendent compte peut-être qu'on ne peut pas rester seulement du côté du versant du grand autre,
et qu'il y a là un point de jonction, puisque l'être humain, il est fait des deux, il est, ça se recoupe. Et c'est là que chacun, je crois, autant les neuroscientifiques que les psychanalystes, auraient besoin de mathématiciens pour nous trouver des points de jonction, pour nous, entre le savoir inconscient et le savoir conscient, et donc la rationalité et cette logique très particulière qui est irrationnelle de l'inconscient, mais qui n'est pas la rationalité aristotélicienne, qui n'est pas la rationalité scientifique actuelle. Enfin, on n'a pas trouvé une formalisation, même avec la topologie. Et ça reste à trouver, et d'un côté et de l'autre, en fait, je pense. Et je pense profondément qu'à un moment, si on ne va pas dans le mur, là, à mon avis, avec le transhumain, si on ne va pas dans ce mur-là, c'est-à-dire si on, le langage articulé, le langage, l'équivoque, l'évocation, les métaphores du langage ne sombrent pas dans l'information, il y a une chance de faire rencontrer le côté psychanalyse qui est parti avec Freud du côté de l'autre qui active les réseaux neuronaux et les neurocognitivistes qui sont partis du côté du fonctionnement du cerveau. Je crois que c'est là la grande question et la grande aventure qui nous attend. En quoi ça gêne la pratique de la psychanalyse, par exemple, qui fonctionne quand même depuis très très longtemps? Est-ce que la pratique de la psychanalyse aujourd'hui est remise en cause par cette approche des neurosciences dont vous parlez? Absolument. Elle est remise en cause, oui. Bien sûr. C'est à 100% à cause des effets de discours dans le social, c'est ce qu'on disait aussi, c'est-à-dire qu'il y a une utilisation du discours neuroscientifique dans le social qui est telle, hein, c'est-à-dire qu'on baigne là-dedans, je crois que tu le dis très bien, c'est-à-dire que c'est massif, c'est-à-dire que tout le discours lui-même, des mots s'inventent à partir du neuro, comme avec le syntagme neuro, on le voit partout accolé, hein, c'est-à-dire que ça transforme quand même la manière même d'aborder la pensée de l'humain. C'est-à-dire, mais malgré nous, c'est-à-dire qu'on y est dedans, on y baigne, voilà, et on dit, c'est pas, par exemple, des patients qui disent, c'est pas dans mon ADN d'être dans la recherche, c'est pas la même chose que d'être dans le discours social. Chaque fois, il y a ce double plan, en fait. Et là, quand on ne tient pas compte du double plan, c'est vrai qu'on peut dire en quoi ça nous emmerde. Parce que quand on en tient compte, oui, on est gêné. On est gêné parce que, forcément gêné, parce que ça génère justement des choses comme le transhumanisme, comme des choses très extrêmes, le programme NPIC, etc. Mais, comme le dit Arlette, et c'est pour ça que ce livre est pour moi très important, parce que elle nous dit bien clairement, en tant que psychanalyste, ce qui est rare, hein, je trouve, parmi les collègues, j'en dis un mot au passage, mais de très clairement dire, c'est en ce moment Clinatech qui est situé près de Grenoble, où il y a ce discours, et on y fait telle et telle expérience. C'est en ce moment la NASA, Google, qui abrite le programme NBIC, etc. etc. Bon. Ça, c'est des choses concrètes, réelles, qui sont en train de se faire. Voilà. On n'est pas uniquement dans, comment dire, un discours, on serait emmerdé uniquement par les concepts. Et c'est... Parce qu'il y a un développement au nom du discours scientifique, un développement sponsorisé, monnayé. Sérieusement, il y a des budgets qui sont votés. Arlette, tu le rappelles, Obama a dégagé je ne sais combien de millions de dollars. L'Europe aussi. C'est notre nouvelle lune. Et d'ailleurs, il y a des pathologies qui se développent. Hein. Et on se demande si elles se développent en fonction des théories, des nouvelles théories, liées quand même au système économique, à savoir, je ne sais pas, les dépressions qui se multiplient, les enfants agités qui se multiplient de façon exponentielle. Donc on peut se demander aussi quelle est la présence de l'économique dans cette approche, bien quoi. Sûr. Qui est énorme. Et les gens sont fascinés par le cerveau, donc oui. C'est utilisé, voilà. C'est très utilisé, voilà. Ce serait le foie ou autre chose, ça fait pas le même effet. Donc, c'est gênant cette fascination sur un organe noble qui pourtant, plus de
Plus ça va, plus on sait qu'il communique avec le reste du corps, mais il y a cette espèce de fascination sur... Voilà, c'est comme ça que la vente de Ritaline pour les enfants hyper agités s'est développée de façon astronomique, quand même. Je trouve que, quand même, ce qui est très important dans ces deux approches, c'est quand même deux conceptions de l'humain très différentes. À savoir que, quand même, dans les neurosciences, les causes du malaise sont toujours externes. C'est-à-dire que le sujet, du coup, est passif. C'est-à-dire, on va lui donner des médicaments, on va lui mettre, on va le redresser, etc., etc., par opposition à la psychanalyse, où quand même, le sujet est actif et partie prenante de son destin, quoi. Je veux dire, quand on parle de fantasme, effectivement, c'est à partir de l'analyse et de la traversée du fantasme que le sujet va pouvoir bouger quelque chose de sa propre jouissance. Oui, voilà. Mais enfin, il y a à modérer tout ça, parce qu'on ne peut pas, je pense, enfin, on ne peut pas opposer deux approches, comme on a dit, très différentes. Je me suis demandé si, en fait, on disait, comme ça, on tente de le faire maintenant, regarde sur l'imagerie cérébrale, ton imagerie cérébrale qui est là, ces neurones-là qui s'activent, l'activation, c'est-à-dire ça s'allume, hein, je suppose que c'est des couleurs, enfin bon, voilà, c'est ce qui produit ta dépression. Et bien maintenant, tu vas te concentrer, c'est-à-dire c'est la volonté, c'est volontaire, tu vas te concentrer parce que si ces neurones-là qui s'activent, c'était l'autre région à côté qui s'active, à ce moment-là, ta dépression est terminée. Je me suis dit, au début, ça m'a choquée. Puis je me suis dit, finalement, si ça marche, c'est pas mal. Vous savez, beaucoup de neuroscientifiques avec qui j'ai parlé et dont j'ai lu les ouvrages, doutes sont dans l'incertitude et non pas dans la certitude comme on le suppose. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'annonce des médias parce que, comme le disait Evelyne, c'est le cerveau et le cerveau, c'est fascinant et ça neurofascine, si vous voulez, chacun, qui reprend des choses tout à fait sans distance, si vous voulez, hein, pour en faire un placard publicitaire de vente de journaux, de je ne sais quoi. Alors, par exemple, sur la dépression, parce que quand même, comme c'est la maladie du siècle contemporain. Alors, voilà, un chercheur, je ne sais plus, je crois que c'est Jean-Didier Vincent qui travaille sur la dépression, les allèles. Bon, il dit un certain nombre de choses, je passe, tout à fait intéressantes, qui m'ont beaucoup intéressée. Et puis, il y a donc des nouveaux traitements avec des implants. Et les nouveaux traitements, à peine mis au point, sont relayés immédiatement dans l'immédiat, sans prendre en compte les doutes même des auteurs des recherches. En témoigne cet article du Figaro, parce qu'il faut lire un peu un panel de quotidien pour avoir une idée de comment ça se transmet les choses, dans lequel la prudence des scientifiques disparaît. La journaliste écrit qu'il a suffi d'un électrode planté au cœur du cerveau pour soigner des dépressions qui résistaient jusque-là à tous les traitements. 5 ans après, l'efficacité perdure. Vous voyez, alors que tous les scientifiques qui écrivent, les neuroscientifiques, les chercheurs, si vous voulez, qui écrivent sur les questions de dépression, sur les maladies mentales, etc., se cassent la tête pour, du côté de leur champ de recherche, qui est la rationalité scientifique, en effet, à chaque fois qu'ils font des découvertes, il y a une incertitude, ils doutent, ils ne savent pas, ils disent, bon, il y a des bémols sur ce qu'ils disent, on va voir, on va refaire une expérience, et l'autre a dit que, etc. Quand ça passe dans les médias, ben, ça donne voilà, il a suffi d'un électrode planté au cœur du cerveau pour soigner des dépressions de manière qui résistait jusque-là à tous les traitements. Pour l'autisme, c'est la même question qui se pose. Et maintenant, ça va être pour la schizophrénie. Là, c'est en train de se faire. Alors, vous voyez comment il faut être quand même très prudent. Nous, si on peut dire des penseurs, quand même, des chercheurs, des gens qui essayons de penser dans quel monde on vit, pour pas prendre, pour pas être dans la critique bête, quoi.
Parce que les chercheurs y cherchent. On est dans ce nouage quantifiable, rationalité scientifique, c'est ce nouage-là qui domine actuellement, c'est le discours dominant, ils cherchent par là, et le cerveau, ça fait du fric. Un magistrati parle de la plasticité du cerveau et de la trace, c'est-à-dire il développe l'idée que les événements importants pour une personne laissent des traces. Donc, du coup, chaque sujet est singulier. Du coup, on quitte cette notion d'universel et on se rapproche un peu plus quand même de la psychanalyse, parce qu'à ce moment-là, on peut parler de signifiant dans la psychanalyse et de traces concernant la plasticité du cerveau. Donc là, peut-être, on peut arriver à faire un pont, me semble-t-il. Enfin, au moins à questionner. C'est-à-dire, là où je trouve une rigidité des psychanalystes dans leur ensemble, comme la rigidité du symbolique, de l'ordre symbolique qui nous précédait, c'est-à-dire celui du patriarcat, à la place d'y mettre, d'y sentir une certaine souplesse, la souplesse serait que ces chercheurs qui travaillent sur le cerveau ne disent pas que des conneries, et qu'il y a certainement, inévitablement, quelque part, des points de rencontre. Que Freud n'a pas pu aborder, bon, parce que c'était pas... S'il était là aujourd'hui, je suis persuadée qu'il serait absolument passionné par toutes ces recherches. Et Lacan aussi. Parce que pour quelqu'un comme Lacan, qui au moment de la naissance de la cybernétique, je crois que c'est dans les psychoses et la relation d'objet, donc c'est des séminaires quand même 55, quelque chose comme ça, qui a pu... prendre le temps de s'intéresser à ce que c'était ces petites machines, à ce que c'était le binaire, à ce que c'était ce formalisme, pour dire le symbolique pur n'existe pas. Hein, c'est pour ça la question de l'imaginaire. Hein, il y a le symbolique pur et le symbolique impur. Enfin, pour faire, lisez ces pages, quoi. Ça veut dire, il dit même, si on dit que la machine ne pense pas, ça veut dire que moi je ne pense pas quand je fais une opération. Voilà. Etc., etc. C'est-à-dire, il y a absolument à sortir, à mon avis, d'un discours sectaire qui enferme la psychanalyse. Ça devient un ghetto, enfin, avec des gens qui parlent aux gens qui pensent la même chose. Alors, ça va, ça. Hein, on peut quand même avancer. Tout champ de savoir qui dure est en mouvement, est vivant et s'ouvre aux autres. Vous avez cité Gödel, qui est tout à fait... le théorème de Gödel, le mathématicien, dit... En gros, un système ne peut pas suffire à sa propre description. Oui, c'est ça. On est rassuré, l'être humain ne pourra jamais décrire l'être humain. Et d'un autre côté, je voudrais prendre l'exemple de tous les étudiants en école d'ingénieur en 3e, 4e année, c'est dans le tronc commun des nouvelles technologies, d'intelligence artificielle, font tous. Il y a un travail pratique, tout le monde fait, qui est de dire, faites un petit réseau neuronal qui fonctionne, et en général, c'est modéliser 2 ou 3 neurones, rentrer une suite d'heuristiques de votre jeu favori, les échecs ou les dames, en général, on prend ou la bataille, et quand l'ordinateur vous bat, c'est que votre programme est bon, puisque vous avez rentré toutes vos petites astuces pour jouer, vos règles. Mais l'ordinateur, lui, ne sera pas distrait, donc il doit vous battre. Et là, c'est que vous avez réussi votre TP. Et ça marche, tous les étudiants font ça, c'est très simple à faire. Bon, d'un côté, on a l'être humain ne pourra pas se décrire. D'un autre côté, on a l'être humain peut faire mieux, sans pour autant savoir comment il fonctionne. Et il me semble qu'on ne peut pas empêcher toutes les expériences, on ne peut pas empêcher... tout un chacun de chercher, on ne peut pas empêcher tous les essais dans tous les sens. Donc comment pourrait-on empêcher au fil du temps de faire des cerveaux électroniques avec toute la connaissance qu'on a psychanalytique, évidemment, de la modéliser, qui soit aussi bien, voire mieux que ce qu'on connaît, enfin, donc comment pourrait-on empêcher des robots pensant aussi bien que nous, voire mieux? Oui, c'est-à-dire, c'est la position. Alors, bon, il y a sur ces questions, comment les projets, les fictions, et puis
Il y a des gens, des scientifiques, oui, qui pensent maintenant que c'est pour bientôt la conscience artificielle. C'est-à-dire qu'avec sans doute des modèles formels, hein, on pourra arriver à produire un ordinateur, une machine qui sait que, qu'elle pense pas seulement ce qu'on lui dit, que de la nouvelle pensée émerge. Hein. Alors, tout ça, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Et pour le moment, les neurosciences dans leur ensemble restent sur le versant de la rationalité scientifique, c'est-à-dire des logiques formelles, pour créer ou imaginer créer la conscience artificielle. Après, l'intelligence artificielle, la conscience artificielle. Or, ça implique d'un point de vue... je ne sais même pas si c'est psychanalytique, je crois que c'est d'un point de vue de réflexion, quoi. Ça implique la mort de la condition humaine, de la spécificité du parlant. C'est très simple. Est-ce qu'on peut entendre aussi l'éradication de l'ambivalence, de l'hostilité, de la haine? Bien sûr, etc. Alors, tout discours de rationalité ne peut pas évacuer la question qui a été posée, que s'est posée Freud, à savoir précisément. Oublie l'absurde, c'est exactement ça. On est en train de diaboliser cet être humain à venir, qui fera probablement, il y a certains transhumains qui font de la recherche, qui disent on va faire corps avec la machine, effectivement. Alors, pour quel humain, on n'en sait rien. C'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que les questions de transplantation, quand on transporte un rein, les premiers transplantés, c'était pas évident. Quand on transplante un cœur, c'est pas évident. Donc les personnes sont dans des rejets. Donc on accompagne. Qu'est-ce qu'il en est? Alors il y a ce cœur artificiel qui a été transplanté, qui a été rejeté. Donc qu'est-ce qu'il en est de cet humain qui sera ni machine, ni humain? Ou est-ce qu'il sera mi-humain? Ou est-ce que cet humain sera quand même encore humain? Alors, vous connaissez Halim Louis Benabou, un très grand neuroscientifique. Avec les électrodes et les implants cérébraux, on peut changer la personnalité de quelqu'un qui était anormal pour le remettre dans la normalité. On peut faire passer les gens d'un état suicidaire à un état jovial. Sympa. Faut-il en conclure qu'on peut manipuler les gens et les faire marcher au pas cadencé, demande l'intervieweur. Il y a quelqu'un qui l'interviewe. Faut-il en conclure qu'on peut manipuler les gens et les faire marcher au pas cadencé, demande l'intervieweur. Il répond, certes, mais on les fait tellement marcher ou pas cadencer par d'autres moyens. Voilà. Alors, vous en avez comme ça quand même. Voilà, ça demande, on peut réfléchir. Bien sûr que la psychanalyse a aussi ses points de butée, ses impasses, ses fragilités dans ses argumentations, dans sa théorie, etc. Et elle doit être, à mon avis, en mouvement. Mais, ça c'est une chose. Mais quand même, on peut se poser peut-être les questions de l'éthique à certains moments, au moins quand on lit, quand on lit des textes comme ça, parce que quand même, il s'agit parfois par exemple, le contournement émotionnel. Vous voyez le contournement émotionnel. C'est sûr que ça part sur des bons sentiments, enfin sur une bonne base, puisque tout le monde veut être heureux ou plus heureux, ou avoir une vie plus épanouie, savoir jouir, profiter du plaisir, du bonheur, le temps qui vit au moins sur Terre. Hein? Alors, ça c'est une chose. Mais quand on dit moyen thérapeutique, technique thérapeutique, comment faire en sorte que de plus éprouver de tristesse, de douleur, de tout ce qu'on appelle sentiment négatif, si vous voulez. Alors, on va faire du contournement émotionnel, hein, c'est-à-dire qu'on va, à partir de l'activation des zones cérébrales qui concernent les émotions et les affects négatifs, hein, on va faire en sorte de stimuler les zones positives, ou bien de dire dans les thérapies cognitivistes par exemple, à quelqu'un qui a envie de pleurer, de penser à une chose heureuse. On peut faire des choses comme ça par exemple. Mais quand même, il est important de savoir que les affects ne sont pas
que d'un côté, qu'il y a une ambivalence, qu'il y a les deux, que l'être humain ne peut pas être heureux sans éprouver à certains moments de la souffrance. C'est une question de degré, après. Après, c'est une question de degré, c'est une question c'est une question d'idéal d'homéostasie, absence de tension. C'est-à-dire dans toutes les thérapeutiques issues des neurosciences cognitives, pour le moment, ce qui est visé, c'est radicalement l'absence de tension. Après, peut-être juste pour le petit bout là que vous avez lu, le petit extrait que vous avez lu en lettre là de Benabid, c'est quelqu'un qui au départ, ses électrodes, il les a mis en place, ça a été développé pour soigner les gens parkinsoniens pharmacorésistants. Et il se trouve que à l'occasion de ces expériences, enfin de cette trouvaille ou de ces expériences, on peut voir, mais oui, c'est perturbant aussi l'utilisation après. Ils ont vu que en soignant ces gens parkinsoniens, ils traversaient des régions qui modulaient l'état dépressif de la personne. Donc c'est aussi un qu'est-ce qu'on en fait quand, à l'occasion de cette mise en place d'un nouveau traitement par électrode, qu'il faut quand même y aller déjà le faire, mais ben voilà, une fois qu'on fait ça, et on se rend compte que l'état de la personne, on peut le moduler, et c'est là où il faut une vigilance extrême, et oui, implanter, c'est pas n'importe quoi, mais il y a des gens qui sont soignés et qui revivent après ça quand ils peuvent plus marcher, donc voilà, c'est encore. De toute façon, je pense qu'il faut ramener ça quand même au développement d'Arlette. Encore une fois, je trouve vraiment intéressant sur les modélisations, c'est-à-dire la présence des neurosciences dans une société, enfin les trouvailles scientifiques d'une époque liées. À un modèle de l'humain dans son rapport au monde. Bon, il se trouve que tout cela vient dans le décor du patriarcat et qu'il est vrai qu'on peut se questionner sur ce qui, pour un humain, dans le social et dans son lien aux autres actuellement, assurerait quelque chose par rapport au pulsionnel qui ferait limite. Bon, hein, c'est-à-dire que le surmoi, l'héritage judéo-chrétien, etc., etc., du fait de la chute du patriarcat, en tout cas en ce qui concerne nos sociétés, a des effets sur, comment dirais-je, des comportements où le surmoi, n'assure pas forcément les choses comme avant. Voilà. Et du coup, enfin, la culpabilité, etc., bon, tout ça, c'est des choses importantes qui étaient introjectées, qui assurait quelque chose à l'intérieur d'un sujet vis-à-vis de ses pulsions et de l'interdit et de transgression, etc. Et que là, on a un autre modèle qui serait, par exemple, assuré par les implants, enfin, on en a souvent parlé, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce serait l'outil implant qui viendrait réguler l'individu de l'intérieur. De la même manière que le surmoi avant assurait quelque chose d'une régulation interne, etc. On n'est évidemment pas du tout dans le même modèle. Du tout. Parce qu'il y a le modèle quand même d'une subjectivité, c'est-à-dire d'un sujet renvoyé à lui-même via une culpabilité, etc., etc., qui a une conscience, si vous voulez, à un individu régulé par un implant. C'est tout à fait différent, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est très important la différence entre les deux. C'est pas une diabolisation que je suis en train de faire, c'est juste une description de, tiens, l'implant servirait, je dirais, de régulateur ou pas. Mais c'est intéressant de l'imaginer, enfin de le penser. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas en train de dire, quelle horreur. Je suis en train de dire, tiens, est-ce que ça remplirait pas telle fonction? On est passé d'une société avec un ordre symbolique et un nouage divin, société humain, noué par le Père, on est passé à... C'est un passage avec une fragilité de l'axe symbolique, avant que sa sœur récupère un peu mieux, le passage du côté du nouage quantifiable, logique rationnelle, univers
univers totalement déchiffrable mathématiquement, cerveau déchiffrable par les lois des logiques formelles, et tout ça noué au quantifiable. Le nouveau signifiant, c'est le quantifiable, l'évaluation, etc. Donc, c'est, la question, elle est là. Elle est, pour moi, enfin, dans ce livre, elle est comme ça. C'est-à-dire, c'est une nouvelle représentation de l'humain. C'est ni à critiquer, ni à, à rejeter, ni à rien en savoir. Ça se pense, quoi. Il y a quelque chose à en penser. Et quand on est psychanalyste, ben, on pense d'une certaine manière. Voilà. Mais c'est pas dans la critique du tout des neurosciences. C'est montrer comment cette nouvelle représentation de l'humain engage des perspectives de remaniement et de mutation, entre guillemets, de ce que devient l'humain, l'être parlant, je veux dire. Voilà. Et je crois que c'est Jean-Claude Milner qui disait d'ailleurs que le chiffre renvoie à l'exactitude, mais pas à la vérité. Et donc, on a à savoir se positionner, et pour moi, ma position dans ce livre, moi, c'est de dire que la psychanalyse fait barrage à la mort, le meurtre du sujet et de la condition humaine. Voilà, et donc cette réunion était politique, et on va s'arrêter là-dessus. Ah ben, voilà. Hein? Bon.